Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, moi c'est Mariam. Ouais, ok, Marinette m'avait donné ton prénom, moi c'est Camille. Ok, d'accord, enchantée. Bah pareil, du coup Marinette m'a dit que t'avais un peu des questions sur le logement, c'est ça? Sur le logement, je me demande quels sont les dispositifs et les aides qui sont mis à disposition des jeunes qui cherchent un logement en fait. Ok, ok, bah on va pouvoir parler de ça, ouais, okay. Si tu veux. Est-ce que t'avais une question en particulier? Ouais, déjà concernant les aides en général, je peux prétendre à quoi? Ok, alors déjà il faut savoir qu'il y a un peu des grands acteurs qui peuvent t'aider. Là, en général c'est la CAF et Action Logement. Okay. On a souvent entendu parler de la CAF. Ouais. En général quand tu fais une recherche de logement, le propriétaire, on appelle ça un bailleur, va te demander un garant. Okay. Donc c'est une personne qui se porte caution pour toi et qui en fait peut rassurer en fait le propriétaire si jamais tu peux pas payer ton loyer par exemple, c'est la personne qui paiera ton loyer. D'accord. Et ben là-dessus il existe une aide. Action Logement propose une aide qui s'appelle la garantie visale et qui leur permet en fait de eux se porter garant pour toi. Okay. Ça fait que si par exemple t'as pas de parents ou d'amis ou de famille qui peut se porter garant, et ben tu fais appel à Action Logement et ils peuvent t'aider. Ensuite, une deuxième aide intéressante, donc c'est les aides de la CAF. Souvent, on connaît les APL. Mm-hmm. Ce qui est bien, c'est avant de prendre ton logement, d'aller faire une simulation sur le site de la CAF. Okay. Comme ça, ça te permet de savoir si tu as le droit à des aides, à combien tu as droit. Donc, il faut bien penser, une fois que tu es sûr de prendre ton logement, à aller jusqu'au bout, demander l'aide de la CAF, sachant qu'il faut faire attention, le premier mois de loyer, tu n'auras pas d'aide. Ok, d'accord. Ça tombe que au deuxième mois. Okay. Et maintenant, donc, tu prends t'as pris ton logement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut de l'assurer. Ok. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Tu peux pas dire non, mais ça ira, tout ira bien. Non, il faut que tu assures ton logement. Et là, du coup, les villes peuvent te proposer une aide. Okay. Ça dépend un peu des villes, il faut se renseigner. Du coup, là, tu m'as énuméré pas mal d'aides générales. Est-ce qu'il y en a qui s'appliquent à certaines catégories de personnes? Oui. Alors déjà, nos aides, il y en a certaines là dont j'ai parlé qui s'adressent que aux jeunes. Donc c'est quand même, comme je disais, des conditions à vérifier. Ok. Et après, c'est vrai qu'il existe d'autres dispositifs ou d'autres aides. Par exemple, si tu es en alternance, tu peux avoir une aide spécifique d'Action Logement qui s'appelle Mobili Jeune. Okay. Si tu es en mobilité, tu peux aussi avoir des prêts, des aides. Voilà. Il peut y avoir plein d'autres aides qui existent. Donc le mieux, en fait, c'est d'aller sur les sites, de se renseigner. Okay. Et sinon, d'aller venir nous voir, nous, les informateurs jeunesse, parce qu'on peut avoir des infos, on peut justement renseigner sur tous ces dispositifs-là selon les situations. Et après, nous, ici à Nantes, on a développé une application qui s'appelle Tilt, sur laquelle tu peux retrouver un petit outil de recherche et l'outil s'appelle À quoi ai-je droit. Ça te permet de retrouver un peu toutes les aides auxquelles tu peux avoir droit, les aides financières, les dispositifs qui existent. Voilà. Merci pour ton temps, merci pour toutes ces informations. Ouais, je t'en prie, j'espère que ça répond à toutes tes questions. Ça a répondu à toutes mes questions. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi. Merci. Allô? Allô, c'est Yasser. Je vous attends devant la gare. C'est qui Yasser? Comment ça, c'est qui Yasser? Je suis le scénariste. On n'a pas de scénariste. Mais oui, c'est même moi qui a écrit la phrase que tu viens de dire. Hein?